l'idée de la toupie, ça a été l'idée initiale. Puis ensuite, quand j'ai créé les objets, j'ai assez rapidement vu que ça pouvait ressembler à des platines vinyles. D'où m'est venue l'idée d'intégrer des aspects plus hip-hop et peut-être aussi musique de danse dans la musique. Et je pense que ces références-là sont assez visibles dans la musique. Autant dans mes gestes idiomatiques, peut-être du scratch chez des DJ, mais aussi j'utilise des samples de hip-hop avec des lignes de rap ou des trucs comme ça. Donc j'ai essayé vraiment de faire un lien entre la musique et le visuel. Je pense que quelque chose qui est assez évident, c'est que les gens ont tendance à s'éloigner de plus en plus du format écran, musique-écran, juste audiovisuel. Les gens ont envie d'avoir quelque chose de plus performatif. Mais pour des performances comme ça, souvent c'est un travail qui est multidisciplinaire, qui demande à l'artiste peut-être de prendre plusieurs chapeaux. Ce qui fait aussi que les projets peuvent pas... j'ai tout fait moi-même, donc l'aspect technique reste quand même limité. Mais au moins, je pense que le fait que j'ai vraiment travaillé sur tous les éléments en même temps assure l'unité de l'œuvre. Mon but, c'est vraiment de présenter une pièce de musique au départ, donc la musique se tienne bien. Évidemment, je crée un espèce de monde à part, étant donné que je joue avec des instruments qui n'existent pas vraiment, que j'ai créés. Et pour la plupart des gens, c'est des instruments nouveaux. On avait peut-être avant une esthétique plus... comment dire, qui valorisait le numérique, le très technologique, peut-être plus dans l'image que dans vraiment est-ce que ça utilise beaucoup de technologie. Je pense que de plus en plus, les gens ont envie de présenter quelque chose qui va avoir un côté un peu organique, un peu plus humain peut-être, mais bon. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui est présent dans ma démarche. Oh, see you.